Ok, yo tout le monde les gars, c'est Axo Gaming et aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo tuto. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner car il y a beaucoup de personnes qui regardent ma vidéo et qui ne sont pas encore abonnées. Et je pense qu'on va commencer. Donc, pour commencer vous allez devoir trouver la galerie primitive, les formes primitives, donc vous l'ouvrez. Donc on va prendre les objets qui nous intéressent. Ok, donc pour faire blue, vous aurez besoin de 4 objets. Donc je les ai redimensionnés. Alors il faut une boule à peu près comme ça. Il faudra ça pour les yeux. Et des triangles. Et bon, ça vous verrez. Pour l'instant, on va commencer par le corps. Donc on va poser la tête, je la ferai après. Là, on va faire le corps. Donc déjà avec du bleu. Parce qu'il est bleu, hein. Donc ça, je pense que ça fait largement l'affaire. Puis on va le commencer. Donc pour ça, vous allez apprendre, vous allez un peu aplatir sur le côté comme ça. Vous allez agrandir comme ça, non plus grand, voilà. Voilà, on va le rétrécir et on va l'agrandir à peu près comme ça. Voilà, vous allez en prendre une comme ça, on va juste l'agrandir un peu plus et voilà, plus grand même. Hop. Hop, donc voilà, donc on regarde bien sur la taille, hein. Il faut qu'il soit grand. Là il va toucher le sol à peu près là. Voilà, faut qu'il soit un peu plus grand. Voilà, donc là on monte un peu. Voilà, là il est parfait. On va le mettre au minimum et on va agrandir comme ça. Et on va faire ça. Comme ça. On recule, hein, toujours ma technique, parce que sinon on voit le, on voit qu'on peut le modifier. On peut pas voir où on le place, donc c'est pas très pratique. Peut-être essayer d'en prendre une. Voilà, parfait. Voilà. Donc, là pour l'instant on va le faire dans cette position, mais après on va changer de position, ne vous inquiétez pas. Donc là normalement on a tout, je peux même un peu agrandir les jambes parce que je me trouve un peu petit. Voilà, donc là il est parfait. Donc on va pouvoir passer à la tête, qui sera le plus dur. Alors, sachant que Blue il n'a pas beaucoup de détails sur son corps à part la couronne, mais ça c'est sur sa tête. Donc il n'y a pas grand chose. Ah ouais, là je... donc on va... comme mes mains elles sont dans le sens, j'avance les jambes et là on le mettra dans ce sens. Donc ensuite pour la tête, déjà est-ce que la tête va lui va très bien, parce que ouais elle lui va. Peut-être la rétrécir. Ouais voilà. Là on est bien. Ouais, là on est bien. Peut-être. On va peut-être faire ça, voilà. Ok, donc vous faut vraiment pas qu'on voie trop les épaules parce que vous. Ok. Ensuite, quand vous avez pris la couleur, placé la tête, on va prendre. On va prendre ça. Voilà, donc là on va faire les yeux. Donc comme par contre j'ai redimensionné la tête, il faut rétrécir d'un chouïa. Hop. Et là, bah, on peut laisser. Et là, on peut rétrécir. Ok. On va la mettre droite. Parce que sinon ça va être si vous le faites à la main si vous le faites sans la grille quoi, ça risque d'être un peu. Donc là, on va placer les yeux. Là, vous voyez, il est mal placé. Voilà, là, il est parfait. Parfait. Parfait, ok. Ok. Donc là, les yeux sont un peu collés. On va peut-être les écarter. Voilà, là, ils sont bien. On monte la tête parce qu'on n'est pas des. On va pas se baisser. Hein. Donc là, il a un œil. Il faut juste en placer un de plus. Par contre, Fortnite, là, il y a un bug avec ça. Faut faire attention. Il faut un peu le décoller, mais après, c'est chiant parce que. Il faut. Là, on peut pas. Et là, on peut pas. Vous voyez ce que ça fait? C'est très chiant. Donc, on peut que le laisser comme ça. Vous pouvez essayer de trouver une autre technique, mais moi, je trouve celle-là, elle est plus facile. Puis, de toute façon, on va pas trop le voir de ça. Puis, ça gêne pas trop. Hein. On voit pas trop la différence. Ok,
Donc ensuite, moi je vais prendre les le petit trait. On va le rétrécir au max. On va faire une petite ligne. On va la mettre de couleur noire. Et on va faire la croix du coup sur son œil. Parce qu'il a une croix, je crois. Bien sûr, faut regarder que ça se colle, hein, parce que si ça se colle pas, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Ok. Hop. Ça gêne pas, ça gêne pas. C'est parfait. Hop. Et là, on va mettre la croix ici. Donc là, elle est terminée. J'espère qu'on pourra bien la poser, hein. On copie pas le sol, faut pas. Donc on recule, hein, toujours ma technique. Peut-être que, je sais pas si ça le fait toujours à des mecs, parce que la dernière fois que j'ai regardé une vidéo d'un mec, ça faisait pas l'interaction. Ok. Bon, bah là, on est bien, là. Voilà. Ensuite, maintenant, on va aller dans la galerie et on va prendre cet objet. J'ai oublié de vous en passer un, donc... C'est pas grave, hein. Il y a juste à retourner dans la galerie et de le reprendre. C'est une sorte de sourire. De toute façon, ça va être sa bouche, donc c'est un peu logique. Donc là, vous enlevez la grille. Moi, je préfère l'agrandir en épaisseur comme ça, parce que sinon, si c'est trop fin, ça va. On va voir la. Enfin, je préfère comme ça, tout cet objet est planté dans la bouche. Je sais pas comment le dire, mais c'est compliqué. Donc on le prend, on l'agrandit, je regarde de quelle taille est la tête de Blue. On va aussi rétrécir la bouche comme ça. Voilà. Bon, par contre, attendez, il faut encore rétrécir. Là, on est parfait. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc on peut enfoncer, mais pas trop. Voilà, là on est bien. Ou peut-être attendez. Il faut prenez l'objet et vous allez le. Voilà, le faire tomber comme ça, comme s'il se penchait. Comme ça, on peut avoir la bouche face au triangle. Face à à l'inclinaison de la tête. Donc maintenant, on va faire la bave. Donc pour ça, j'avais pris ça. Alors, on va le prendre, on va le tourner dans ce sens. Alors, pourquoi ça veut pas? J'ai du mode créatif 2.0 qui sort. Parce que comme ça, ce sera largement plus facile. Enfin, plus facile, je sais pas. On verra. Donc ça, je pense que je vais laisser blanc parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres couleurs. Donc vous laissez blanc. Hop. Et voilà, là on est bien. Et on va le placer. Donc au début, je vais le placer mal. Mais après, on va le placer bien. Blablabla. Vous avez compris. Et puis là-bas, on va les coller. Hop. On va peut-être là. Attendez, parce qu'il faut que j'arrive à la prendre. Hop, non pas hop, mal, hop, on recule d'un petit chouïa et on va la placer de façon qu'elle soit avec la bouche, parce que la bave elle est pas que en train de pendre à l'intérieur aussi. Et bon, là elle est mal placée, oh non ça va, le replacer peut-être. Hop. Et de long, ça donne peut-être changer la couleur. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres couleurs. Donc non, il n'y a pas de d'autres couleurs, ce qui est dommage. Voilà, donc on a juste à faire ça et là c'est bon, on a la bave de Blue. Chiant, c'est la couronne. Allez, on va la faire, nous on s'en fiche. Donc pour ça, j'avais pris une pièce là-bas, je l'ai redimensionnée même. Donc ça, on peut le supprimer, on l'a déjà utilisé. Ah non, on va utiliser ça. Donc la grille, pareil. Ok, il est mal placé. Ah, bon, allez, on s'en fiche. Maintenant qu'il est droit, on le prend. Et on peut, si ça veut bien, le voilà. Et maintenant, on va le mettre en jaune parce que ça va être la couronne. Qui, va être peut-être le plus dur. Déjà, on va essayer de faire une couronne. Ah, mon Dieu. Hop. Ouais, non, il faut plier encore plus. Ok, donc vous avez plié bien, bien, bien. Comme ça, on va pas trop utiliser de preuves. Hop. Il faut encore plus plier. Hein. Je rigole pas quand j'ai dit plier. Hein. Faut plier encore. Voilà. Celle-là, c'est pareil. Il faut plier.
Hop. Voilà. Ensuite, elle, on la replie comme ça. Voilà. On la plie encore. Jusqu'à encore la plier. C'est bon, j'arrête. Ok, donc là, on la replie. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Et là, on a un problème parce que je l'ai trop plié. Et ben non, on n'a pas de problème. Faut que j'arrête de faire mes blagues pourries, là. Et voilà. Et maintenant, il y a un écart. Alors, on va mettre le pic et on va le rétrécir. Voilà. Je te dis, ça va rentrer, moi. Hop, et hop, on a une couronne. Et voilà, donc on a la couronne, j'espère qu'elle est bien. De toute façon, elle est bien. Celui qui dit qu'elle est moche, voilà. On va bien sûr changer la position, parce que sinon, il va se déplacer comme Shrek dans Garry's Mod. Hop là. Est-ce que... Non, ok. Oula, elle est très mal posée. Sa couronne est sur le côté aussi. Elle n'est pas droit sur sa tête. Hein. Sur le côté. Oh, j'aime pas. Voilà, tu me laisses copier. C'est un fou, lui. Oh là là. Et hop là. Et là, elle est mal placée encore. Il faut la reculer. Du coup, vous faites comme moi si ça marche pas. Vous la recopiez. Vous la replacez. Et si vous faites, si vous voyez rien... C'est pas grave, et regardez, c'est bon, j'ai réussi à la placer. Enfin. Bon ben voilà. Donc maintenant on va copier la tête. On va, hop, hop, j'ai pas tout copié. Faut tout copier, on copie tout, et voilà. Et maintenant on peut lui placer sur sa tête. C'est vrai que Blue sans tête, ça ressemble à rien en vrai. Et là la tête elle est trop grande. Bleh. Ah, bah voilà. Bon, maintenant, peut-être lui rétrécir un tout petit peu les bras, et on sera bon. Et voilà. Et peut-être aussi là. Donc en fait, je modifie tout. Et voilà. Et voilà. Donc là, on a Blue, le corps, en fait. C'est le corps, il est trop grand. Oula. Je sais pas si c'est le corps ou si c'est autre chose. Donc peut-être lui agrandir, il faut qu'il soit vraiment parfait. Donc là il est pas parfait, donc c'est pas bien. C'est le mec qui va être parfait, hop. On va même lui faire des trucs pour que ça soit naturel. Allez hop, on va lui replacer la cuisse. Hop. Déjà, est-ce que c'est, ça va être beau? Je sais pas. Le mec qui fait un tuto, il se passe, ça va être beau. On va tester. Et voilà. Ah voilà, avec ça, ça rend plus de classe. Maintenant, on va regarder combien il fait de taille là, face à moi. Là, il est grand à combien? Ok, et maintenant, du coup, on va le poser là. Il fait, ouais, 1 mètre de plus que moi. Mais c'est parfait. Maintenant, on va vérifier si c'est ça. Et c'est ça. Voilà, il y ressemble. Ok, bon ben on a terminé Blue les amis. Bon et maintenant on va faire Vert. Non, je rigole, hein. Ça sera peut-être dans une partie 2. Bon sinon le tuto va être terminé. Il a pas duré très longtemps, mais c'était un tuto rapide et simple parce que Blue vraiment il y a pas grand chose à faire quoi. Mais au moins voilà, on a Blue. Il est beau, hein. Waouh. Il a des problèmes, mais il est beau. Voilà. Donc comme j'ai dit, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. C'était Axo Gaming. Ciao.